Et salut à tous, c'est Off, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. Aujourd'hui, comme d'habitude, chaque semaine, chaque vendredi, c'est tout simplement l'apparition de Xur sur Destiny 2. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous vendre, tout simplement, les petits exotiques qu'il a à nous présenter. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous appréciez Destiny 2. De toute façon, si vous êtes là, c'est bien pour une raison, hein, c'est parce que vous appréciez Destiny 2. Mais où est-ce qu'il est encore planqué, ce Xur? Parce que à chaque fois, il se met dans des positions les plus improbable. Ça a l'air d'être encore le cas. C'est pas facile de le rejoindre, hein. Punaise, Xur, j'espère que t'as quelque chose de bien, parce que vu le trajet que tu me fais parcourir pour avoir juste des équipements de merde, ça ferait chier, tu vois. Allez, voyons voir un petit peu. J'apporte des présents de la part des neufs. Oh, cette semaine, il y a des armes que des gens n'ont pas, je pense. Par exemple, l'aile de la vigilance que je sais qu'il y en a pas mal qui ne l'ont pas et qui souhaitent l'avoir. Hein. C'est très probablement la seule exotique qu'ils n'ont pas. Personnellement, moi, je l'ai chopé dans un petit engramme légendaire et ça fait plaisir. Sinon, on a le casque tracker d'ennemis, tout simplement, qui marque visuellement les ennemis ciblés. Donc, assez simple, hein, c'est tu vises, l'ennemi est marqué, voilà, donc pour le chasseur, un casque pour le chasseur, sinon on a un casque pour tout simplement le titan, la forteresse crânienne, hein, donc bon, tu devrais connaître qu'est-ce que c'est, hein, tout simplement, c'est pour les cryos, hein, pour la forme cryo du titan, et le péché de Nézarek pour les arcanistes, un casque arcaniste, qui les frags abyssaux augmentent ta vitesse de rechargement de l'énergie de compétence. Donc en gros, pour charger plus rapidement ton super. Donc ce qui est pas mal. Donc pour ma part, on va acheter ça et ça. Vu que celui-là, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai déjà. Ouais, je l'ai juste là. Donc voilà. Bon, franchement, des équipements plutôt sympas. Mais c'est pas les meilleurs, tu vois. C'est pas les meilleurs. On va dire que ça... Ça compense si t'avais exactement tous les équipements de la semaine dernière. Mais sinon, bah tant pis, j'ai envie de dire. Sur ce, si tu sais comment c'est, j'espère que t'as apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Partage à tes potes si tout simplement ils veulent voir qu'est-ce qu'il y a chez Xur. Sinon, abonne-toi pour voir d'autres vidéos sur Destiny 2. Allez, à plus.